Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Company of Heroes 2 pour la suite de la campagne soviétique. On va faire la 11e mission, vous voyez qu'il en reste plus beaucoup, il en reste 4. Allez, la 11e mission, derrière les lignes ennemies. Après avoir vu le camp de Majdanek, je me suis bourré et je suis resté sous pendant des jours. Hey, vous me deveniez inutile. Inutile? Savez-vous au moins ce que ça fait de voir ça? En plus de tout le reste. Je pense que oui, puisque j'ai lu vos notes. Mais nous avions une guerre à gagner. Oui, nous devions gagner, et peu vous importait la manière, n'est-ce pas? Nous avons fait ce qu'il fallait, et moi également. C'est pour ça que je vous ai envoyé le sergent Poyarski. J'ai pensé que ça vous ferait du bien de voir comment un officier soviétique gère les choses. Le Troisième Reich a volé son autonomie à Pologne, catalogué ses habitants comme étant moins que des humains et envoyé des milliers d'entre eux mourir dans les camps. Les forces armées polonaises comptaient des centaines de milliers d'hommes et encore des milliers de miliciens, mais nombreux Polonais détestaient autant l'Allemagne que l'URSS. L'armée rouge refusa d'aider l'Armia Krajowa pendant le soulèvement de Varsovie à l'automne 44. La ville est dévastée et près de 2000 soldats moururent. Alors que l'armée rouge s'approchait de Varsovie, Izakovitch et Poyarski s'allièrent à un groupe de partisans polonais pour infiltrer un camp allemand. Tout acte de violence commis par les partisans de Pigny sur le champ. Général Albert Kesselring leva feu. C'est vrai, faut pas oublier que en août 39, le 23 août, on a le pacte germano-soviétique qui prévoit le partage secret de la Pologne. Et lorsque la Main envahit, l'URSS s'attaqua quelques semaines plus tard à revers. Et les Polonais ont très mal vécu cette trahison. En même temps, Polonais soviétiques et Russes se détestent depuis des siècles. Du coup, les Polonais étaient assez réticents, sachant que l'armée rouge a commis pas mal de massacres, hein, Katyn par exemple, et qui d'ailleurs sont connus sur le dos des nazis. Et à Varsovie, lorsque il y a eu l'insurrection de la ville, les soviétiques ont refusé d'intervenir, interdisant même l'usage des aérodromes pour les alliés, de manière à ce que les Allemands massacrent les partisans, ce qui permettait d'ailleurs aux soviétiques de pouvoir récupérer des ruines qu'ils pourraient facilement contrôler, avec des pantins, plutôt que de laisser une armée d'intellectuels et de bourgeois. Même pas besoin de faire la purge, les nazis se sont chargés. Ah bah évidemment que Churchill était écœuré par ce genre de manœuvre, mais que peut-il faire? Staline a très bien joué, hein. Il a un peu essayé les mains. Laisser les Allemands massacrer les îles polonaises, ça lui permettait plus facilement de satelliser la Pologne dans les années qui suivirent. Bien. Ah, nos partisans. Camarade Izakovitch, laissez-moi vous présenter nos camarades polonais. Enfin, pas vraiment, camarade. Cette jeune femme, c'est Ania Zielinskaya. Ania connaît la position d'un informateur. Les Polaques vont le persuader de revenir avec nous. Vous les accompagnerez. Mega et moi, on s'occupe d'une autre mission. Mais on vous retrouvera ici. Je ne vous attendrai pas, le journaliste. Si vous nous mettez en danger, je vous tuerai moi-même. Pas commode, hein. Bon. On est à la campagne polonaise. Les troupes ne tirent que si on reçoit l'ordre express. Je me rappelle d'Ania comme un sniper sans peur et comme le soldat le plus passionné que j'ai connu. Elle a du caractère, mais elle manque de compassion envers les Allemands. Non, sans blague. Ouh. Je veux un Allemand mort à chaque tir. On ne peut pas se permettre de manquer nos cibles. Ouais, donc là, il va falloir encore faire la discrétion, pas saturation. L'informateur est dans ce camp. Mes hommes ont repéré des officiers allemands ici, ici et ici. Nous devons les éliminer avant de pouvoir déplacer l'informateur. Prenez garde à ne laisser aucun officier s'enfuir, ou il nous faudra annuler la mission. Pendant que les Allemands seront occupés,
Quelques-uns d'entre nous iront chercher l'informateur. Une fois qu'on aura l'informateur, on décrochera pour retrouver Poyarski et ses hommes. Mettez-vous en position autour des camps allemands. Visez d'abord les officiers, puis occupez-vous des forces qui ripostent. Bon. On va y aller subtilement. C'est-à-dire qu'il va falloir être très discret. Ok, il y en a un ici. Oui, mon frère. On ne peut pas rester. Il faut se déplacer. Vous avez des ordres? Il faut bouger, partisan. Bougez-vous tout pas. Allez-y. Ok, les officiers. Vous voyez jusque là, Anya, on va avancer qu'Anya. Partisan prêt. Allez, il faut y aller. Nul Bosch. Attaquez. Butez-les. Officier à terre. Tire d'armes légères. Tuez-les tous. Où les autres? Ah non, vous avez dû tirer, hein, les gars. Parez à éliminer les chiens fascistes dans moi. Les Allemands ont une radio dans ce camp. Elle est sûrement reliée à une antenne quelque part dans la forêt. Si on peut la neutraliser, on aura moins de renforts ennemis à combattre. Ah, intéressant. Vous voyez des Bosch? Je vois pas d'autres. Ok. Enclenchez les charges. J'ai compris. Nous avons une radio qui parle dans le coin. Je vais pas accéder à la partie ouest de la carte, d'accord. Faut que, au pire, j'aille ici. Reprends le poste là, puis ici. D'accord, je comprends. Bon, Anya, tu viens foutre le... On va envoyer les autres copains ici. Il nous faut cette zone, partisan. Allez, partisan. On a un objectif à capturer. Capture terminée. On va aller par là. Si on peut récupérer ce qui se passe là-bas. Je vais accéder à ce poste pour débarrasser des radios allemandes. Ouais, en tout cas, il va falloir contourner. On va être obligé de passer. Section en attente. Je peux pas te soigner, toi. Oui, mon frère. Partisan, touché. Nous avons une radio apparemment au coin. On bouge. On fera mieux bouger. J'ai une idée. Oh oh. Je vais allumer ce camp. On tendra une embuscade à l'ennemi quand il viendra voir. Pas con.
tiens. Ok. C'est pas prévu ça. J'en sais rien. Bingo. Pas peine de gueuler non plus les mecs, hein. Ouais, ce petit groupe ennemi. J'ai à cesser le feu. Par vos discrétions. Surtout les lance-flammes, vite. Ouch. Ils nous cuit les gars, les pauvres. Traduction française, 107 ans. Je suis presque sûr que ça n'existe pas, cette traduction en polonais. Ennemi révélé. Ouch. Allez, on va abattre du Bosch. Je prends le point là, après je vais prendre la tour radio. Parfait, on va spawner un petit peu. On va aller par là prendre la tour radio. Et donc elle est prise, on s'occupe d'Agnier, officier. Section en attente. Bon, on va se renforcer. D'avoir un deuxième sniper, parfait. On va envoyer Anya faire un peu de reco. Je vais me bloquer après.
pas d'attirer des Allemands. Moi, ça aurait attiré ceux qui étaient ici plutôt. C'est logique. Rester très silencieux, à couvert. Non! Elle est merde! Il y a un sniper! Fais chier! Il y avait un sniper! Il m'a one shot! Ah putain. Et merde. Fuck. Sans peur et que j'ai connu. Elle a du caractère, mais elle manque de compassion envers les Allemands qui envahissent sa terre natale. Crève, enfoiré de fasciste. Je m'en ai à chaque tir. On ne peut pas se permettre de manquer ici. Oui. Une question. Je crois que le plan c'est bon. Pas charger la sauvegarde. Combattant de la reste en avant. Allez. Y'a pas une save. Poznan. Eh non. Il faut me faire un coup de main là, les gars. On va recommencer, hein.
Peut-être que j'aurais laissé cette unité en arrière. Elle est très précieuse, mais elle va être très vulnérable, c'est ça le paradoxe. En gros, il y a un sniper au niveau de la tour radio. Poser une charge là pour accueillir le half-track allemand. Qui a allumé ce feu? On a peu de temps. Bougez-vous. Tuez ces chiens fascistes. On va pas rester là sans s'éteindre. On bouge. On va se planquer. Bien. On y va. On se bat pour la Pologne. Partisans, bouchez. Vous avez des ordres? Des réponses, c'était sur ton pays à la fin de la guerre, mon gars. Il faut se déplacer. Je suis un peu dégoûté de voir qu'il n'y a aucun half-track qui est passé. Ah, ennemi révélé. Sniper ennemi! À terre. Restez à couvert pour approcher et éliminer ce sniper. Baissez-vous! Et tuez-le. Section en attente. Il faut bouger par ça. Quels sont vos ordres? En avant. Allez. Infanterie ennemie à l'attaque! Les partisans sont promis! Les partisans sont prêts! Oh putain, j'ai pas d'unité. Fils de chien. Putain, j'ai perdu une... J'ai perdu les troupes de la... Pas d'unité de sniper, ça fait chier ça. Pas gentil ça.
Parce que l'officier est mort. Ah ouais. Ouais. Bon, tant pis. C'est à la Pologne maintenant. Quels sont vos ordres ? Parfait, Agnès, pour se régénérer. Bougez-vous pas. Allez-y. Je vais pas la sacrifier cette fois-ci. On va éviter de faire les cons. Je vais bloquer la tour, ça pourra bien voir ce qui se passe. Partisans, en avant. On se concentre. Allons-y. Ne bouge plus. On reste. Pour Réania là maintenant. Une bonne pression quand même, hein. On se bat pour le sac. Allez, partisans, en avant. Partisans, prenez cette zone. Tout ce qu'il faudra. Bon, moins de renforts allemands, c'est une bonne chose. Combattant de la résistance, faut y aller. Vous avez des ordres ? Excellent travail. Il faut zone sécurisée. Bon, plus qu'à foncer par ici. Je pense que passer par là sera une bonne solution. C'est caché, crétin. Tu la feras tout à l'heure, pas l'autre fois. Butez l'officier en priorité. Butez-les ! Fumier d'ennemis éliminé ! Partisans, en avant. Ôtez la sécurité. Pendant que les Allemands seront distraits, on entrera dans le camp pour embarquer l'informateur. Une fois qu'on aura l'informateur, on décrochera. On verra où Boyarski et ses amis. Bon. Ouais, enfin, je laisse passer les troupes ennemies. J'espère les troupes ennemies derrière moi. Combattant de la résistance prêt. On va pas rester là sans cette. On bouge. J'ai hors de question de laisser le moindre ennemi derrière.
Bon, vous venez. Et Kania, on va prendre le camp. Quels sont vos ordres? Compris. Prenez la zone. Il faut qu'on aille. Non, reste là. Il va falloir qu'on aille par ici, puis là-haut. Je vous dis que ça passe aussi simple que ça, par contre. Je prends les mines au cas où. D'abord, je sois là. Au moins qu'il soit. C'est une zone hors de portée, super. Allez, il faut y aller. Section en attend. Il faut bouger, partisan. L'officier est par là. Anya, les renforts allemands arrivent. Et merde. Pour examiner les camps qu'on a nettoyés. Chier! Notre objectif n'est plus très loin. Vous avez des ordres? Partisans, bougez! On fera mieux bouger. Oui, une fois qu'on est assez vite là. Suivez le camion. Il doit aller vers le camp de l'informateur. Combattant de la résistance, frère. Tac. Section en attente. On va faire qu'on shoote le sniper. Perfect. Parlez à éliminer les chiens fascistes. Tuez-les tous. Section de mortier abattue. Allez. Parfait. Il faut y aller. Tuez ces chiens fascistes. Oui, mon frère. Pavel, on se concentre. Allons-y. Partisan prêt. Mais moi, il devait y avoir plus personne, non? Prenez la zone! Prenez le contrôle de la zone. Allez, partisans. Vite, on prend cette zone-là. Notre collègue bavard. Même s'il faudra certainement le vaincre. Ouvrez l'œil et restez à couvert. Anya, on a plusieurs sections alliées cachées dans les environs. Envoyez-leur un signal, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'attirer l'attention pour rien. Vous avez des ordres? Il faut se déplacer. Je vais essayer de prendre ce poste-là. Éclaireur droit devant. D'autres sections doivent les suivre. Causez une charge explosive pour surprendre les ennemis en approche. Les camions viennent vers vous. Préparez-vous. D'autres éclaireurs. Ils arrivent par l'autre côté. Posez une charge explosive sur ce chemin. Bougez-vous ! Repoussez-les ! On ne peut pas. Leurs soldats remontent le feu ! Ah bah ok. En avant. Comme vous voudrez.
Putain, trop loin, fais chier. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, la mission va être terminée là. Prisonnier, ok, on va prendre le camp là, on va s'installer ici. Très bien. Mais si un camion ennemi approche, visez le chauffeur et occupez-vous des survivants. Ok. Merde, il y en a un qui a survécu. Ok, il y a du mirador, il va y avoir du ton planqué. Oh oh. Prenez la zone. Ouais, c'est la porte. Comme tout à l'heure, frappez les ennemis quand ils approchent du feu. Ivan est dans le camp. Je vais demander des renforts à la radio. Ouais, plus d'officiers. Lance-flamme. Allez. Placez les charges. Libérez-nous. Soit à faire. Pouvez-vous nous aider? Allez, vite, vite. Ils vont nous tuer. Aidez-nous. Capturez le point. Merci, Anya. On vous doit une fière chandelle. En empruntant quelques armes aux Allemands, on pourra peut-être vous aider. Bon, on va se quoi ? On fout le camp ? Allez au point de rendez-vous. D'autres troupes ennemies ont dû être alertées par notre présence. Ils sont trop nombreux. Restez dans l'ombre et évitez l'affrontement direct. Mais ripostez s'il le faut. On filoche. Boum. Attention à moi.
se reprendre les points. Là, il va vraiment falloir être assez rapide pour se tirer le plus possible. Je vais pas non plus rester trop longtemps dans le coin. Puis il y a la question qu'on meurt si, juste si près du but. On est tellement proche du but en plus. C'est pratique. Parfait. Mortier, ils sont éliminés. Il y a encore des troupes, non. Pour la traction, il est là. Allez, on va pouvoir se rendre normalement. Sans difficulté. Et les troupes sur le chemin pour bloquer la route. Les lance-flammes, c'est les pires, ça. C'est vraiment une arme de salope. Butez-le vite. Bon. On fout le camp vite. Parfait. Parfait, la mission est très ici. Voilà ton informateur, Boyarski. Il est prêt à parler. Où est le matériel que tu nous as promis? Varsovie en a besoin. Ici, ma très chère Anya. Tu trouveras tout ce que tu m'avais demandé, et même plus encore. Tu peux compter sur l'armée rouge pour prendre soin de ses amis. De Dieu, mais qu'est-ce que vous faites, Boyarski? Ces Polaks étaient des capitalistes et des voleurs. Une fois les Allemands partis, ils se seraient retournés contre nous. La guerre a duré assez longtemps comme ça, non? Ça n'a rien de personnel. Et voilà. À l'occupation nazie a fait place l'occupation soviétique avec un régime fantoche. Voilà pourquoi est-ce que les symboles communistes en Pologne sont aussi interdits que les symboles nazis. Ce qui n'est pas le cas en France, qui n'a connu que l'occupation nazie. Sur ce, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tout vous aura plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut tout le monde.